Et il se passe quoi quand on tire une balle de tennis pleine de flotte, qui ne rebondit plus du tout, sur une carcasse de micro-ondes, telle que celle-ci par exemple, vous voyez cela, une potato gun, avec une bourre toute nouvelle, c'est la même mais avec des agrafes. Voilà. Et oh bonjour le bourdon. Et puis grande vitesse et puis sonomètre qui va être juste à côté pour se prendre tout dans la gueule, savoir un petit peu vraiment ce qu'on prend dans la gueule. Et moi je mettrai pas le casque anti-bruit cette fois. Mes names. Donc voilà. Oh et puis la GoPro, je vais l'adhésifier. Juste là. Délire. Ça fait pour, non? Je suis probablement jamais allé aussi loin pour avoir de l'éclairage. Un miroir, 1600 watts de spot. donc le miroir envoie vachement de lumière, hein. C'est impressionnant, il envoie largement plus que les spots en fait. Et regardez, oh c'est bibi, il y avait déjà le cercle en fait pour m'indiquer où est-ce qu'il fallait la mettre. Le matelas derrière, c'est au cas où le micro-ondes se casse la gueule, c'est pour éviter de taper la GoPro par terre. J'ai le gradué pour la vitesse et puis putain de vent de merde, chiotte à cul. Oui bah ça c'est quand les cahiers se sont marrés, oui parce qu'un micro-ondes de 10 kg c'est bien connu, ça s'envole. Donc voilà. Merde, ok, donc je tire et puis voilà, hein, parce que ça commence à me gonfler. Et la grande vitesse, je sais pas sur quoi je vais me caler au niveau de la vitesse. Allez va, hop. Et puis voilà. Voilà. Bien, alors donc je me barre assez loin, je mets pas le casque anti-bruit. Et puis boum dans sa gueule quoi. Chose habituelle. Allumage avec la petite télécommande que vous connaissez maintenant. Donc le sonomètre qui a enregistré le pic, la grande vitesse ça tourne, le vent aussi, la ventouse c'est pas la ventouse de GoPro donc je sais pas si elle va tenir comme il faut mais bon. Hop les spots, le miroir est bien placé. Ah le vent! Je mets l'allumage en charge, c'est bon? Allez je me casse, salut! Ça fait un bon bruit, hein. Les oreilles ça va mais ça claque, hein. J'avais jamais fait sans casque. Elle est où la GoPro? Ah oh, mon dieu. Ah oh, mon dieu. Alors, décibelmètre. Moi je dirais 115. S'il a pris, ah non il peut pas prendre plus que 110. Ah 99, et 100 décibels c'est pas mal quand même, hein. Oh la GoPro. Comment elle est arrivée là? Coucou. Oh la GoPro. Alors on a la balle qui est là, nonchalante. Lol, c'est moi la balle. Elle est un peu déchiquetée. Toujours pleine d'eau. Oh. C'est du verre sécurité donc je risque pas de me couper. Waouh. Oh la vilaine balle. Oh. Elle m'a arraché la peau. Oh. Oh le son est vraiment en tas. Oh merde. Mais je sais pas, elle était là. Le micro-ondes s'est barré. Elle est... Mais comment elle a fait pour arriver en dessous? Ce qui est énorme, c'est que sur la porte, à l'endroit de l'impact, on voit des impacts. En fait, c'est les morceaux de verre qui ont été tapés par la bourre et la balle qui ont été projetés contre la porte et qui l'ont déglingué en fait. Waouh. Waouh. Ce bruit, j'adore. Ça sauve plus, hein. Ah, ça sauve plus. Émotion, t'sais. La grande vitesse est épique. C'est-à-dire que la bourre est arrivée avant la balle quand même, hein. Et on a une image, une jolie image où le verre est en train de se casser. Et image après, tout est dedans quoi. Plouc. J'aime bien le transfert d'énergie
qu'il y a entre la balle, pouf, qui s'arrête net, blam, direct dans le... Waouh. Et la GoPro, hi-ha. Coucou la GoPro. Oh putain, c'est énorme. Oh, faut que je balaye maintenant. En plus de sa beauté et du fait qu'on va pouvoir voir tous les détails de ce qui s'est passé, la grande vitesse va nous permettre de faire un truc assez marrant. Ça va être de calculer la masse du micro-ondes. Ouais, on peut arriver à peser un micro-ondes en tirant dessus au patateur avec une balle de tennis. C'est fantastique les maths et la physique quand même, hein. Donc pour ça, en fait, on va utiliser une loi qui est la loi de conservation de la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement, c'est un petit peu comme l'énergie, en fait. C'est, elle peut se calculer en multipliant la masse du projectile, ou la masse de quelque chose, fois sa vitesse. Donc la quantité de mouvement que vont avoir la balle et la bourre au moment où elles vont taper le micro-ondes va être égale à la quantité de mouvement que le micro-ondes va avoir au moment où il repart. Ensuite, étant donné que c'est masse fois vitesse, on a la masse de ça, on a sa vitesse aussi en utilisant le calcul classique avec l'échelle graduée qui est derrière. On a la vitesse à laquelle repart le micro-ondes, toujours avec l'échelle graduée. Mais admettons, on a une balance qui peut peser jusqu'à 500 grammes et oh bah zut, on peut pas peser le micro-ondes. Donc eh ben, on va pouvoir calculer sa masse comme ça. Alors allez, c'est parti pour les maths. Donc déjà, on va calculer la quantité de mouvement des projectiles. Donc on a dit que la masse totale, donc c'était la masse de la bourre plus la masse de la balle, était de 180 grammes. La vitesse, ça on le calcule, donc sachant qu'en moyenne, les projectiles parcourent 11,85, ça c'est vraiment une moyenne sur toute cette distance, centimètres par image, ça fait une vitesse de 71,2 mètres par seconde, ce qui fait quand même 255 km/h pour l'info. Donc on n'a pas envie de rester devant de toute manière. Donc la quantité de mouvement va être égale à 184 fois 71,2, pardon, ce qui nous fait 13100. Alors l'unité, on s'en fout un petit peu, hein. Tant que les unités sont respectées tout le long des calculs, l'unité finale, on s'en fout. Petite comparaison, ça fait 470 joules d'énergie cinétique. Donc on n'a vraiment pas envie de rester en face. Alors par contre, la quantité de mouvement qu'ont les projectiles ne va pas être totalement transférée dans le micro-ondes, parce que vous voyez que la bourre, elle s'arrête de suite, pouf, elle bouge plus. Mais la balle, elle rebondit. Bon, elle rebondit vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité de mouvement, donc une quantité d'énergie qui n'a pas été transférée au micro-ondes. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Alors, on refait la même chose. Donc, la bourre s'arrête, voilà, tout transféré, blablabla, j'ai tout écrit en fait. Et donc, on voit que la balle, quand elle rebondit, là, juste à ce moment-là, quand elle repart, toing, ici, là, toing, elle repart à 18 mètres par seconde. Donc là, on refait le calcul de sa quantité de mouvement à ce moment-là. Donc la masse de la balle fois les 18 mètres par seconde, ça fait 1728. Donc il va falloir soustraire 1728 aux 13100 qu'on a trouvé tout à l'heure. Et ça va nous donner la quantité de mouvement qui va être vraiment transférée au micro-ondes. Donc vraiment l'énergie de l'impact que se prend le micro-ondes. Et ensuite, une fois qu'on a ces 11372, on va appliquer tout simplement l'égalité que donc la quantité de mouvement des projectiles est égale à la quantité de mouvement du micro-ondes. Il nous faut la vitesse du micro-ondes au moment où il repart. Donc ça, on l'a en faisant donc la vitesse, j'ai fait la vitesse moyenne. Donc étant donné qu'il fait une petite rotation, j'ai pris un point au milieu du micro-ondes pour avoir à peu près son centre de gravité. Pour être à peu près voilà, sur le plan de son centre de gravité, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. En 20 images, il parcourt une distance, là je l'ai calculé. Donc j'ai sa vitesse. Au moment où il repart avec une vitesse de 3,38 mètres par seconde. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre l'équation, avec donc la quantité de mouvement des projectiles qui est égale à la quantité de mouvement qu'a le micro-ondes. Donc 11001 égale MM qui sera la masse du micro-ondes fois sa vitesse, la vitesse donc on l'a, on résout l'équation et on trouve 3365 grammes. On va vérifier. Voilà, donc j'ai les parties du micro-ondes seulement les parties du micro-ondes qui ont été projetées. Donc allez, on pose tout ça, hop, je la balance. Alors je vois pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Là, bouge plus. Et on a 3215 grammes, ce qui est pas trop mal, j'ai que 400 et quelques grammes d'écart. Donc ça c'est dû aux erreurs de mesure parce que vu la résolution de la vidéo, on va pas avoir énormément de précision sur la mesure de la grande vitesse. Donc c'est surtout ça en fait, c'est que les erreurs de mesure qui font qu'on a un résultat qui est approximatif avec une grande marge d'erreur. Mais c'est quand même pas mal, 3200 avec des petits calculs comme ça. Donc voilà, comme quoi les maths et la physique ça sert, hein. Donc ça, vous allez me dire, ouais mais t'es con, t'aurais pu peser le micro-ondes dès le début, oui certes, mais quand vous avez des choses que vous ne
pouvaient pas peser justement, qui sont trop lourdes ou quoi, ou enfin dans des cas où on peut pas peser, ben on peut utiliser cette technique de transfert d'énergie. Et donc bon voilà, allez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et de vous abonner et de partager et elle me regarde bizarrement. The GoPro is a spy. Apart from its beauty and the fact you can analyze the whole action, the high-speed video will be used to actually to calculate the mass of the microwave. Yeah, you can actually calculate the mass of a microwave using a potato gun and a ball shot at it. I love physics. So for this, we're going to use the law of conservation of momentum. So momentum is a bit like energy, if you want. So it can be calculated very easily, just multiplying the mass and the velocity. The law states that the momentum of the projectile, so both the wad and the ball, are going to be equal to the momentum of the microwave once it flies away. So we have four variables here. The mass and the velocity of the projectiles, and the mass and the velocity of the microwave. So we have both mass and velocity here. The velocity can be calculated using the scale that I have behind. So this is 5 centimeters, this is 10. So between every frame I know there is 1/600th of a second, because I'm filming at 600 frames per second. And the velocity of the microwave can be calculated just the same way. Shut up. So the microwave actually has some spin, so I'm taking a point about here to be on the same plane as the center of gravity to have an average speed, which should be pretty good, I think. Boing. So let's do math. So first we want to calculate the projectile's momentum. So we have to take the total mass, which is the mass of the wad plus the mass of the ball. So it's 184 grams. So I know that between each frame, the ball and the wad are traveling about 12 centimeters. Yeah, so this is an average value. I know it's not that good to have four significant figures, but the velocity will be equal to the distance over time, which gives me 71.2 meters per second, which is 157 miles per hour. So you don't want to be in front of that. So now I can have the momentum, which is the product. So I have 13,100. The unit doesn't really matter here. As long as you have the same unit in the whole process, it doesn't really matter. So the kinetic energy for this is 470 joules. So yeah, you definitely don't want to be in front of it. So now that you have the momentum, why don't just solve the equation? Well, one thing you have to notice on the high-speed video is that the ball bounces back slightly, see? It's there, and 1, 2, 3, 4 frames goes downwards, although the wad completely stops. There are losses in the momentum transfer, so the wad transfers all of its momentum to the microwave, but the ball doesn't, so you have to calculate the momentum that is lost in the transfer. The ball here bounces downwards at 18 meters per second, which is around 3 centimeters per frame. You do just the same math, mass of the ball times the velocity at which it bounces, which gives you 1728. Once you have that, you have to subtract it to the total momentum. So this result, 11,372, is the actual momentum that was transferred to the microwave. So this is the value that you're going to use to do the rest of the math. Rest of the math being just solving the stupidest equation ever. But before that, the last variable we have to figure out is the speed of the microwave right here. So you do just the same method as the frame by frame with the ball. So it gives you 3.38 meters per second. Meep. Add that to the equation. Just solve it like that. So the math gives 3,365 grams. Let's go check it out. So here I only have the parts of the microwave that were actually pushed by the ball. Because if you look at the high speed again,
boing. This part here just separates, just barely moves actually. So it wouldn't be part of the equation, just like the glass, the whole tempered glass shattering. Okay, so let's take it and... Oh, stop moving. Okay, try not to move too much. So I have 3,200, which is not that bad actually. I only have about 150 grams of difference. It's not that bad. It's really not that bad because the difference is due to the imprecision of the measure, because the video at 600 frames per second is only 432 by 192 pixels, I think, so it's definitely not full HD, so you can't really tell whether the ball is just precisely here or here, so it makes the imprecision and the error in the speed, in the... well, you got it. Only 150 grams of difference. I'm pretty impressed, actually. This was how to weigh a microwave with a tennis ball, aka how to make a big mess and spend 2 hours cleaning up. Hope you enjoyed it. Don't forget to eventually share, eventually click like, eventually, I don't know, subscribe, I don't know, do whatever you want. See ya!